Ok, c'est parti YouTube, Shogat tapé top lane avec les runes comètes arcaniques, Anthony à jeu transcendance, brûlure, Kuba et chasseur ultime. Je ne sais pas si on aura passé les 1900 abonnés ou pas à l'heure de cette vidéo. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés dans la dernière vidéo. Je crois que vous étiez encore plus de 15. Nous sommes contre un Darius. Donc, on joue chill et on est heureux et ça devrait aller. Allez, voilà, ça commence bien déjà. En vrai, j'ai un affect particulier pour Shogat tapé en plus parce que c'était mon premier main. Je jouais déjà des troll builds quand j'ai commencé le jeu. Hop là. Ok, nickel. Eh, il est déjà mid life, hein. Ok, nice. Eh, pour le moment, ça va, on le victimise bien. Là, il vient de E dans le vide. Enfin, de Q dans le vide, pardon. Là, je vais le all-in. Il fallait qu'il level up. Et que j'ai plus de mana. Bon, bah, sans le level up, il était mort. J'ai vraiment pas eu de bol. Le Darius met 8 ans à revenir sur la lane, du coup, comme il a pas de TP. Et moi, j'ai régène tout mon mana juste en tuant des creeps avec mon passif. Vraiment, l'autre, il va revenir, il va avoir un full vie, il va être en mode. Ah ouais. Bah, j'ai pas d'infos sur Darius. En fait, je me demande s'il m'attendrait pas dans un buisson. Juste pour me trappe. Je sais pas ce qu'il fait, en fait. Ennemi exécuté. Ah ouais, bien vu Belvet. Ah bah voilà, c'est bien ça. Ok, il attendait bel et bien dans un buisson. Ah, dommage. Moi, je fight, hein. Ah, en vrai, il a rush des bots de résistance magique, mais ça tombe bien parce que, bah, de toute façon, mon Q, c'est un bump. Donc, il peut pas annuler un bump. Donc, franchement, chill. Ok. Tiens, gros. Let's go, le bon trade. Tu ne peux rien y faire, Darius. Je suis régène toute ma vie avec le passif. Faut que je fasse gaffe parce qu'avec un ghost, il peut me tuer. Tant que je joue de loin, j'ai l'avantage. Si je me mets proche, surtout que maintenant, il a l'exécute avec le. Ah merde, j'avais oublié. Hop. Merci pour ce kill, bro. C'est pas grave si je meurs. Let's go. Ok, le Darius avait bien aimé aller dans un buisson tout à l'heure. On va lui faire la même. Okay. En plus, ce qui est bien quand on se met dans des buissons avec Shogat, c'est que ça camoufle un peu le début de l'animation du Q. Allez, boum. Ah voilà, 240 de dégâts, alors qu'il avait le bone plating plus les bottes. Donc on doit lui mettre quasiment 300 en vrai. L'autre, il a fait le camouflage de mon discret de sa vie. Voilà. Tu crois que je vais me faire avoir par ça? Vas-y, viens, bro. Hop là, hop là, hop là. Hop, et boum. Let's go. Voilà, on avait le Kane avec nous. Ah, bah j'arrive. Il aurait limite dû se laisser toucher, le Kane. Voilà, on met les slow. On le silence. Bon, il survit pas, non. Voilà, bien joué la team. J'ai pas d'infos, il y a les larmes. Tant que j'ai pas d'infos, moi je reste loin. Je suis pas assez fou pour m'approcher d'un Darius. Ah, voilà. Salut mon gars. Je savais que je faisais bien de rester bien, bien loin. Je crois qu'il essaye de me freeze. Mais c'est pas très grave parce que je lui one-shot quasiment, là. Voilà, nickel. Bah là, je retouche un Q, je crois qu'il est mort. Ah ouais, mon gars. Ah oui. Ok, on est à 3v2 sur les larves. Franchement, si la aura un R, elle n'a pas de R. Ok, 3v3. Hop là, manger. Boum. Boum le Q. J'ai raté, bien joué à moi. Ok, nickel. Bah les larves. Yep, nickel. On peut y aller. Hop là, boum. Tiens, prends tes 300 dégâts, ça me fait plaisir. Boum. Boum. Ok, nice. Let's go. Aïe. Nom. Let's go. Ah, je savais qu'il était dans le bush. Ah ouais. Ah ouais, non, frérot, toi, t'as les crocs. Allez, boum. 1v1, sans R, sans rien. Su. On y va. Nature peinture. La belle bête est botte, en plus, donc je devrais pouvoir push la tour top quand même pas mal. Ah, bon, pas de T2 pour moi, les gars. Ah ouais, j'avoue, mais faire un Lion Drip pour me donner v'là la tankiness là, ou un Rift Maker après avoir fait tous ces dégâts. Non, vas-y, trop envie. On va se faire full tankiness maintenant. Ok, pas d'infos sur Darius, encore une fois. Où est le joyeux Luron? Franchement, ça me fait flipper, hein, parce que si je fais un misplay, il me tue. Eh, mais t'as vraiment les crocs. Ah ouais! Croix d'un coup, c'est le fan club. Attendez, j'ai mon flash. Non, je crois que j'aurais pas du flash. Oh, let's go, c'est Thresh qui a eu l'interrupt. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est littéralement le meilleur scénario. Il y a un big fight là, je veux dire que j'arrive. Salut Thresh. Ok, les beaux dodge. Ok, je retire Thresh du fight. Aïe. Oh, dommage. Oh, si je touchais ça sur le Jin, il était tellement mort. Je fais un build qui a aucun sens. Je vais faire un Rift Maker là. Je partais sur un Shogat tapé et après je me suis dit, tiens, si je le jouais un peu au tank, vraiment ça n'a aucun sens. Par contre, ça fight en mid.
Et moi je suis grave chaud pour fight. Ok, je prends. Je prends tous les jours. Je prends plus, je prends plus. Changer d'avis. Non, on tue toujours pas. Ah, c'est dommage, hein. C'était pas grand chose. Ah, si je reviens avec la TP, est-ce que je peux manger le Drake, s'il vous plaît? C'est combien? 1500. Là, j'ai pas pu manger le Drake. Ok, il a Dashin. Normalement, il a plus de Sterak, lui. Merde, j'ai raté mon. J'ai raté mon Q. Ok, moins un. On en a eu un, les gars. On en a eu deux. On les a tous. Ils sont tous morts. Let's go. On est chaud pour le nage, j'ai un R en plus. Laissez-moi le manger, s'il vous plaît. Let's go. Merci pour ce stack. En vrai, j'ai une réflexion très peu profonde, là. Mais cette version Shogat AP, avec où tu blindes les HP et du coup, t'as plein de dégâts quand même, c'est vraiment Sion AP. Bah, c'est tout, en fait. Y'a pas de fin de phrase. C'est Sion AP. Enfin, c'est Sion AD, mais AP. T'as plein de dégâts, mais t'as plein de tankiness aussi. Enfin, t'as plein d'HP. Du coup, tu tombes pas mal. Et ils sont combien en mid? Bah, toute l'équipe ennemie est au mid. Enfin, y'a peut-être moyen de trapper un truc. Ah, fallait que ça dodge. Hop là, merci pour ce mangeage. Tu viens là aussi. Boum. Boum. Par contre, le fait que j'exécute Belved de quasiment full vie, c'est... Oh bah, je l'ai chopé sans faire exprès. Enfin, sans faire exprès. Je l'ai visé, mais... Ah. Bon, flash dans le vide. Vous savez quoi, les gars? Moi, je peux pas venir où vous êtes. Du coup, je vais poche la tour. Ok, nickel, petite T2. Bon, on pourra pas finir là-dessus, je pense. Et franchement, je crois qu'on a deux inhibs. On a eu la T2 bot. C'est assez clean. Attendez, ils sont tous sur mes collègues en roue, là. On peut même prendre une T3. Yep. Ok, nickel. Et Drake dans 10 secondes. Franchement, chill. Oui, je peux choper un autre stack, là. Let's go. Allez, le dernier push peut-être. Oh, je touche un Q, c'est un mort, non? Moi, oh, j'ai rien dit. Hop. Hop, le kill. Hop, le Q, le Z. Nice. Ah, mais je suis toujours mourir. Mais je suis sous tour. Aïe, 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 aïe. Non, bah, c'est bon. Ah, j'ai rien pu bouffer. Bah, donner un CS. Un peu... Mais à manger, quoi. Si on peut pas manger. Bon, moi GG, je finis sur un Shogat qui a faim. Je suis affamé, je n'ai pas pu manger. Bah, je vais vous montrer les dégâts et la tankiness un peu. Non, mais franchement, ça m'a régalé. Hein. 5000 HP, trop d'AP, j'ai pas eu le chiffre. One-shoté quasiment n'importe quoi. 33000 dégâts, ok. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est combien j'ai tanké pour ce type de dégâts. On a tanké quasiment 60000 dégâts. Bah, c'est pas mal. Bah, voilà, YouTube, encore une fois, merci beaucoup. Je fais des bisous. Puis à la prochaine. Salut YouTube!